Ma mère avait remarqué que j'avais donc cette capacité de fabriquer des choses avec n'importe quoi. Donc elle a trouvé une école où je pouvais peut-être m'exprimer, qui était l'école de Rudolf Steiner. Grâce à cette école, j'ai trouvé mon équilibre et j'ai pu me développer avec mes compétences qui sont notamment artistiques. Dans l'école des Beaux-Arts, j'ai fait de la sculpture. Mais ce que j'ai surtout découvert dans l'école des Beaux-Arts, c'est l'anatomie. L'anatomie a été vraiment le meilleur moyen pour pouvoir rentrer dans l'accès du mouvement, pour comprendre le mouvement, pour que le mouvement soit toujours juste. Quand la morphologie est juste, quand l'anatomie est juste, on peut faire n'importe quelle matière par-dessus. Quand l'anatomie est juste, à ce moment-là, le dessin et toute la suite est équilibrée. Donc je pense que pour tout sculpteur, étudier l'anatomie et la morphologie est fondamental. Et la morphologie nous permet de comprendre la relation entre la gravitation et notre action de mouvement sur la planète, sur la Terre. Je ne me sens pas bien avec les lignes droites et carrées. Je pense qu'il faut toujours essayer de fonctionner avec la lumière. Et c'est la lumière qui donne la rectiligne. Surtout, je pense, la lumière, quand elle vient de droite ou du haut, elle donnera une forme différente. J'ai rencontré Pierre Théris et pendant 7 ans, nous avons travaillé ensemble et nous avons travaillé dans une fonderie que j'ai créée. Nous avons fourni beaucoup de bronze. La fonderie, économiquement, ça devenait difficile. J'ai pris la décision de arrêter la fonderie pour pouvoir me consacrer à mon propre travail d'artiste. J'ai découvert que je pouvais fabriquer directement des sculptures sans être obligée de passer par les étapes où je pouvais directement, de mon esprit vraiment intérieur, de l'image que j'avais qui était très inscrite à l'intérieur, je pouvais directement le mettre en métal. J'ai pratiqué cette forme de sculpture pendant 15 ans. Et quand j'exposais, effectivement, j'ai beaucoup étonné parce que mes sculptures, au départ, étaient plates. Je proposais, en fait, une expression sculpturale, mais sur du plat. Et j'avais apprécié l'épaisseur du métal pour donner les accents et pour donner les effets d'ombre et de lumière et de transparence en découpant des vides. Et donc j'ai étonné beaucoup de monde qui estimait que ce n'était pas du tout de la sculpture quand on travaille le plat. Je pense, totalement incomprise. Mais j'ai persévéré et aujourd'hui, beaucoup de gens travaillent le plat. J'ai fait une grande exposition, une grosse exposition en 2000, où j'ai présenté 26 sculptures plates. J'avais pas beaucoup de commentaires, les gens ne savaient pas très bien ce qu'il fallait penser. To work with geometrical forms. I try to find a composition with those forms, but at the end, you don't see anymore the form. The thickness gave with the shade, it gave also another form, and it makes a kind of relief. And I like the idea that the nature goes there. Sculptures qui sont en 3 dimensions,
Donc les sculptures en trois dimensions, c'est parce que j'ai pu trouver une cintreuse et avec la cintreuse, je découpais les morceaux qui m'intéressaient au chalumeau. Je découpais donc des morceaux de forme dans mes tôles plates et je les cintrais et je leur donnais après une forme et je faisais des montages. Mais c'est uniquement parce que j'ai pu avoir accès à une cintreuse. Giacometti qui, lui, sa théorie était la sculpture, ce doit être juste l'âme de la forme essentielle et on retire tout ce qui est comment dire, superficiel. Et avec la tôle d'acier, j'ai découvert le même esprit où plus je retirais des morceaux de métal de la tôle, plus je lui donnais de la vie. Et je pouvais traduire une expression pure, c'est-à-dire que je retirais tout ce qui était la surcharge de la tôle plate. Et effectivement, j'ai eu beaucoup de chutes avec lequel j'ai continué à travailler dessus, mais je n'ai fait que retirer. Et c'est vrai que à une époque, le ferrailleur venait régulièrement chercher mes chutes. Il était très content. Mmh. Ouais. Je ne peux plus travailler l'acier. J'ai perdu mon atelier, j'ai perdu mes outils, parce que c'est la vie qui fait ça. Mais je sais que j'ai ouvert beaucoup de portes dans le monde de la sculpture. J'ai ouvert aussi des esprits, j'ai montré qu'il était possible de travailler le plat et de le présenter à la lumière pour lui donner une forme de vie. My tool to make the plaster is upstairs. Ah, I have to get it. Aujourd'hui, je repars à zéro. J'ai l'impression de retourner dans l'univers de l'élève où je retravaille des matières qui sont les plus simples possibles et les plus faciles ensuite à développer, qui sont le plâtre et le papier. Ça. Voilà. Et que je ne travaille plus dans l'acier. Donc je propose mes compétences à des personnes qui veulent apprendre toute forme d'expression d'art plastique, aussi bien dans la sculpture que dans le dessin, que dans la peinture. It's about the migrant. J'étais attrapée by the idea that those migrants, they think they will have freedom, but it's not freedom. The people who get out of the water, mm-hmm. you know, the... Ouais. But the water is also hands who want to take them. I'm here. So that's the thing I have to do. Some more. I have to do two, one more for my exhibition in May.
So that's plaster. J'ai voulu faire un visage de clown. Mm-hmm. Visage de clown. Et alors, comment j'ai travaillé ça, c'est en fait, c'est des empreintes. Ce que j'ai découvert qui est très intéressant dans le... Parce que tu vois, l'autre côté, c'est, je l'ai fait plate, qui est aussi, tu vois, une forme. Tu vois. Mm-hmm. Alors, il faudra l'imaginer en bronze. Mm-hmm. En bronze, il y a une patine. Et mm-hmm. avec la patine, ouais. Tu sais, ça, c'est vivant, ça prend de la lumière. Tout de suite, le bronze, c'est autre chose. Hein, ça. On dit en français de la gouache. Voilà. Et vous avez toutes les couleurs pour faire la peinture. Et ici aussi, il y a plein. J'ai aussi la possibilité de transmettre la langue anglaise. Aux élèves s'ils veulent apprendre en même temps s'ils souhaitent apprendre en même temps la langue et l'art plastique. Ok. Alors ça c'est un oiseau qui a une huppe petite, donc tu peux t'amuser à proposer avec la huppe faire un dessin. Je t'ai mis quelques exemples. There is some examples. Ou c'est jaune, ou c'est vert, so green, black, rouge, c'est red. Voilà, c'est très joli, très bien. Pour l'instant, je suis en train de préparer une prochaine exposition où je développe l'art du plâtre. Je ne sais pas trop où je vais, c'est toujours la grande question. Quand j'ai commencé à travailler le métal, je ne savais pas où j'allais, mais c'est passionnant. C'est passionnant d'ouvrir un chemin. Que vais-je rencontrer? Que vais-je développer? Et que vais-je former? Voilà. C'est vraiment l'âme de la création qui maintient notre cœur en vie.